Allez, viens, mon grand. Il est temps d'aller se coucher. Laisse oncle Maxime tranquille. Non, vraiment, il est... Il est très... Non, plutôt drôle. Enfin, comme tous les enfants, je veux dire. Surtout quand il vous réveille à 1h du matin, à 2h et à 3h30. Ouais. Camille ? Oui. Tu ne souhaites pas bonne nuit à ton fils ? Si. Bonne nuit, mon fils. Bonne nuit. Je sais ce que tu ressens, Camille. Mais nous ne pouvons pas faire une guerre avec un second ennemi dans le dos. Mais c'est notre propre peuple. Non. Notre peuple ne veut pas revenir en arrière. Notre peuple sait que nous devons gagner cette guerre à n'importe quel prix. Ce soir, les Prussiens ont pris Verdun. Les aristocrates, les prêtres, les traîtres, les comploteurs dans nos prisons, tous attendent l'arrivée de leurs maîtres étrangers. Ce sera le signal de leur rébellion et leur ralliement aux forces du roi de Prusse. Mort aux traîtres! Les prisons de Paris. Ils ne pensent qu'à massacrer quiconque est suspecté d'avoir une sympathie pour leur roi. Nom de Dieu, ce n'est plus une révolution. On tourne en dérision tout ce que nous avons essayé de changer. Tu m'écoutes? Mais oui, Camille, je t'écoute. Alors fais quelque chose! Faire quoi? Tu crois que je contrôle ces gens? Tu crois que quelqu'un peut les contrôler? Tu es le ministre, Georges! Oh oui, je suis le ministre. Et tu veux que le ministre donne des ordres qui ne seront pas exécutés? Tu préfères que j'envoie des troupes qui retourneront leur veste et se joindront à ce carnage? Tu préfères ça? C'est ça ton plan?
Pour montrer au monde qui est le maître, ici? Si ce n'est pas toi le responsable, alors qui est-ce? Qui? Mais tu ne sais plus, ni moi. Mais Camille, l'homme sage sait quand il n'a plus de pouvoir. Et il n'en dit rien au monde. Surtout, s'il veut que le monde l'entende à nouveau. Et je le veux, crois-moi, Camille. Je le veux.